Les images amateurs tournées par exemple par un fermier dans le centre de la Sardaigne sont extrêmement spectaculaires. Des millions de sauterelles viennent donc d'envahir sur l'île italienne une zone comprise entre Nuoro, Ottana et Oraani. Toujours présentes en Sardaigne et en Corse, ces sauterelles ont cette année pullulé chez nos voisins de façon très inhabituelle. Probablement, pour trouver une invasion de sauterelles d'une telle dimension et aussi agressive pour les cultures, il faut remonter aux années 40. Car ces sauterelles se nourrissent bien sûr des cultures. Elles viennent de ravager plus de 2000 hectares de champs en Sardaigne. Certains agriculteurs demandent l'autorisation d'utiliser des produits chimiques, idée qui, comme d'habitude, ne fait pas consensus. Faut-il pour autant craindre demain la même chose en Corse ? Pas forcément, nous affirme un responsable de l'Office de l'environnement, spécialisé notamment dans les insectes dits nuisibles, car ces sauterelles, volontiers sédentaires, pourraient rester dans ces champs-sardes où elles ont pondu leurs œufs, à dévorer notamment des graminées, peu présents en Corse.